Bonjour, Aurélien du jardin du lâcher-prise. Bon, j'enlève les lunettes, je me remets les lunettes. En fait, il est très tard, je me rendais même pas compte qu'il était si tard, je me suis réveillé ce matin fort tôt. Et puis maintenant, il est très tard. Bon, alors, je me suis évidemment recouché, voilà. Chose qui n'est point à faire. Mais que voulez-vous? C'est comme ça, c'est dimanche. Hein? On a le droit à la grasse matinée, dimanche, c'est le moment d'ailleurs où on a le droit à la grasse matinée. Donc du coup, je me prépare un petit café et en même temps, je veux vous parler de la biodanza. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas reparlé. Je suis allé en week-end. C'est compliqué en fait ces vidéos-là parce que je suis allé, non pas en week-end, je suis allé faire une formation en Belgique où j'ai rencontré deux professeurs de biodanza, deux amis qui me sont plus que chers, des amis de cœur, des amis de one love, des amis. Ah ben tenez, regardez, en plus, au lieu de le mettre là, j'ai plutôt intérêt à le mettre sur le. Sur le rouge, n'est-ce pas? Même si on peut se dire que le cœur, c'est pas forcément rouge, mais là, en l'occurrence, c'est le moment de profiter du rouge de l'amour. Voilà. Donc, bref, c'est pas du tout ce dont je vous parlais. Ce que je veux vous parler, c'est. C'est que je suis très très ému. Il y a plein de choses qui me bouleversent, dans le bon sens du terme, qui me bouleversent dans le sens où ça me rend heureux. Et c'est pas parce qu'on a des larmes, tout au moins c'est pas parce que j'ai des larmes que ça me rend triste. Mais ah, vous voyez, c'est profond, quoi. J'ai vécu, pour être très clair, ou tout au moins tenter de l'être, j'ai vécu des moments vraiment puissants en Belgique, des moments qui me ravissent, et j'aurais voulu vous en parler, je voudrais vous en parler simplement, et j'arrive pas, tellement c'était doux, tellement c'était beau, tellement c'était puissant, c'est tout ce mélange de puissance et de douceur que l'on retrouve dans la biodanza. Alors, je suis allé à Liège avec Ricardo Toro. Si vous habitez près de Liège ou si vous faites un déplacement à Liège, allez danser avec Ricardo Toro. Allez faire cette expérience magnifique que de rencontrer cet homme. Et en même temps, cette femme qui l'accompagne, parce que Véronique Hustin est quelqu'un de magnifique et de magique, et ça fait chaud au cœur, quoi. Et là, vous pouvez lâcher. Là, vous pouvez commencer, si tant est que vous ne puissiez pas aller au bout, parce que c'est un travail personnel, intense, permanent, puissant, eh bien. Vous allez démarrer quelque chose en vous et lâcher. Lâchez plus. De toute façon, on n'a jamais lâché assez. Il y a toujours quelque chose qui nous retient, qui nous tire, quelque chose qui nous empêche de décoller, d'aller vers le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de notre futur. Et surtout, peut-être surtout et surtout, 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 le meilleur de notre présent. C'est-à-dire que, ouais, quoi, c'est là maintenant, donner le meilleur de nous-mêmes maintenant, à chaque instant, à chaque moment, être là et sentir tout ce qui nous habite. Sentir cette lumière intérieure qui tourne dans notre corps,
et qui permet de nous animer chaque jour, chaque matin quand on se lève. Vous voyez? Alors donc j'ai fait ce cours de biodanza donc le mardi soir à Liège. Je vous invite à aller à Liège pour ça, même que pour ça. Et je suis allé le mercredi soir au cours de biodanza d'Annick. Moi je l'appelle Annick Selemiel, mais Selemiel, mais c'est pas son nom. Annick Marche, que vous retrouvez donc pour la biodanza, donc cette fois-là à Namur, enfin à côté de Namur, bon le village exact ne me sied pas, mais peu importe, si vous êtes de Namur ou si vous êtes allez, à une demi-heure de la ville, donc Charleroi, Namur. Après, je ne connais pas les villes qui sont autour, mais à une demi-heure de Namur, bah faites-vous ce cadeau. Allez au cours de biodanza. Alors attendez, j'ai un papier d'ailleurs à ce sujet. Autant Ricardo Toro, et bah vous le retrouverez toujours facilement. Autant donc. Ah non, bah non, c'est pas ça. Ah non, ça n'a même rien à voir. C'est une autre personne qui est venue me voir hier. Et qui m'a laissé son atelier, ce qu'elle fait elle, qui est l'atelier de calligraphie. Bon, enfin bref, c'est pas du tout la même chose. Du coup, c'est pas la même chose, mais écoutez, c'est pas grave. Allez sur Internet, tapez Biodanza à Namur, retrouvez Annick. De toute façon, je referai des vidéos. J'espère pouvoir retourner en Belgique faire une Biodanza avec elle. Parce que c'est vraiment plaisant, c'est bien rythmé, les musiques sont belles. Et j'ai été très surpris parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle les musiques de base, puisqu'en fait quand on commence à être professeur, on a des musiques un certain panel de musiques. Et en fait je me suis surpris à me dire que j'avais jamais entendu certaines de ces musiques. Alors que bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais de la biodanza. Et j'ai été surpris de sentir de la nouveauté, alors que a priori, ça n'en était pas. Voilà. Oh, je ne sais pas si cette vidéo est très remarquable. Mais une chose est sûre, c'était une semaine pour moi qui a été très riche. Alors, autant en termes de formation, même si j'ai. Je ne suis pas encore tout à fait sûr que ça soit dans ce sens que je veuille monter mon accompagnement. J'ai encore des doutes. Enfin, des doutes, pas des doutes, parce que des doutes, c'est pas. Mais bon, en tout cas, je vais faire cette formation, la formation dont je vous ai parlé par écrit, en vous disant que faire une formation, un accompagnement un accompagnement au lâcher prise. Je suis juste en train de réfléchir. Je suis juste en train de réfléchir comment je vais faire quand c'est pas du présentiel. Voilà, quand c'est pas du présentiel, j'ai encore un. Je sais que le jardin travaille à distance, l'énergie du jardin est là, et que mon intuition est suffisamment profonde pour vous accompagner. Et en même temps, ça me demande un tel travail personnel et une telle exigence personnelle pour y parvenir, tout au moins dans les premiers temps. Bon, enfin bref, on en reste là. Allez biodanser, allez faire de la biodanza. Vous avez forcément des professeurs de biodanza autour de chez vous. Allez faire de la biodanza. Je vous dirais aussi, allez faire de la danse, allez chanter. Allez faire plein de choses, vous savez bien, je suis pas restrictif. Mais en tout cas, si vous êtes près de Liège ou près de Namur ou que vous y passez le mardi ou le mercredi, allez danser. Voilà, en clair, c'est ça mon message. Je nous aime, je vous embrasse. Restez dans l'amour, et nous travaillerons sur l'amour inconditionnel plus tard. Allez dans l'amour, partagez l'amour. Je nous aime. Au revoir.